Bonjour tout le monde. Dans cette deuxième vidéo de la playlist Créateur YouTube, j'aimerais partager avec vous une astuce qui vous permettra d'élargir votre audience, c'est-à-dire d'avoir plus de visiteurs, plus d'abonnés et comme résultat plus de revenus. Bon, comme vous le savez, il y a une partie non négligeable dans le monde qui sont sourds ou bien qui ont du mal à entendre, ou bien qui ont des dysfonctionnements auditif. En ces gens là sur YouTube, ils vont plus chercher des vidéos ayant des sous-titres. Voilà, d'où la nécessité d'ajouter en premier temps les sous-titres à vos vidéos YouTube. Et dans un deuxième temps, voilà, je vais vous montrer comment les traduire automatiquement en plusieurs langues, anglais, arabe, espagnol, chinois, voilà, si vous voulez. On pourra attirer plus d'audience et élargir la carte géographique de votre audience. C'est ça l'objectif de notre vidéo. Bon, pour la première chose qu'on va voir, c'est comment ajouter manuellement les sous-titres YouTube. Bon, voilà. On accède à notre YouTube Studio. La partie contenu. Dans la partie contenu, on va sélectionner la vidéo pour laquelle on souhaite ajouter les sous-titres. Par exemple, la première pour moi. Et je clique sur le petit crayon, c'est-à-dire l'onglet détail. Voilà, je vais descendre à gauche à l'onglet sous-titres. Normalement, pour une vidéo qui vient d'être publiée sur YouTube, vous aurez une synchronisation automatique ou bien des sous-titres qui ont été synchronisés automatiquement par YouTube. Ce que je vous invite à faire, c'est de les supprimer. Comme ça, vous cliquez sur les pointillés ici, puis supprimer. Pour moi, ce n'est pas la synchronisation automatique. Ça, c'est un essai que. Voilà, ce sont des sous-titres que j'ai commencé à rédiger. Bon, voilà, je peux les modifier comme je peux les supprimer carrément. Pour voilà, commencer l'exemple avec vous. Voilà, s'il y a la synchronisation automatique, je vous conseille de la supprimer parce que ça sera pas bien rédigé. Il y aura plusieurs fautes voilà, de rédaction parce que la synchronisation automatique voilà, ne va pas comprendre les paroles à 100%. Voilà, à faute de prononciation ou bien à faute de rédaction de la part des robots. Voilà, la synchronisation automatique n'est pas bonne. On va ajouter, voilà, ajouter des sous-titres. Il y a aussi la langue française parce que moi, la langue originale de mes vidéos, c'est le français. Voilà, si vous parlez anglais, ça va être l'anglais, etc. Bon, vous ajoutez les sous-titres, vous cliquez ici, ajouter. Voilà, ça va vous donner la synchronisation automatique ou bien apporter un fichier si vous avez un fichier de sous-titres qui est déjà rédigé ailleurs. Bon, pour nous, ça sera la saisie manuelle, saisir manuellement. Voilà, une fois qu'on clique sur saisir manuellement, ça vous ouvre un premier bloc de texte. C'est ce bloc qui est en bleu, qu'on peut déplacer avec la souris comme ça. Voilà, si ça nous donne les quatre flèches, on peut bouger le bloc du texte. Voilà, l'objectif de le bouger, c'est de le synchroniser avec les paroles, bien avec le son tout en bas. Il faut que les sous-titres apparaissent en même temps qu'avec les paroles. Voilà, soit vous pouvez le bouger comme ça, soit vous pouvez le bouger en modifiant les minutes et les secondes ici, les minutes et les secondes de départ et les minutes et les secondes de la fin de ce bloc de texte. Bon, pour moi, c'est plus simple de le faire bouger comme ça avec la souris. Comme ça, je le place ici. Voilà, la deuxième chose à faire, c'est de lancer votre vidéo. Voilà, pour entendre les paroles qu'on va rédiger. Voilà, par exemple, pour moi, jusqu'ici, il y a bonjour tout le monde, bonjour cher abonné. Voilà, pour étendre ce bloc de texte, je m'approche à la terminaison. Ça me donne ces deux flèches horizontales. Et je le prends, puis je le tire. Maintenant, je rédige mon texte ou bien mes sous-titres. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers abonnés. Par exemple, comme ça. Voilà, je lance la vidéo.
Voilà, comme vous voyez, là, l'écriture et bien les sous-titres sont bien synchronisés avec les paroles. Maintenant, une fois c'est fait pour cette première ligne, pour ajouter une nouvelle ligne de sous-titres, je clique sur le bouton plus, voilà, au-dessous, à gauche. Voilà, ça me crée un nouveau bloc de texte que je vais agrandir un peu. Voilà, la même chose pour rétrécir le bloc texte. Voilà, il suffit de le prendre voilà, par la terminaison et de rétrécir. Voilà, je lance la vidéo. Voilà, je crée cette playlist pour partager avec vous. Voilà, je peux créer un autre. Voilà les différents. Voilà, je peux étendre jusqu'ici et ajouter un nouveau bloc. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment on procède. Bon, je vous montre l'exemple pour une partie de la vidéo parce que ça prend un peu de temps de faire ça manuellement. Au lieu de prendre que la synchronisation automatique, mais ça vaut le coup de faire ça. Voilà, vous pouvez vérifier l'évolution de votre audience au fil du temps. Une fois que je finis avec une ligne de sous-titres, je crée une nouvelle en cliquant sur le plus au-dessous du bloc à gauche. Bon, je définis la longueur de mon bloc. Il ne faut pas voilà, remplir le bloc avec plusieurs phrases pour laisser pour les visiteurs, pour leur donner la possibilité de voir ce qui apparaît sur l'écran, à part les sous-titres. Voilà, une fois qu'on a créé des lignes de sous-titres et qu'on veut les enregistrer, voilà, pour les finir après, ben, c'est possible qu'on ne veut pas finaliser voilà, la rédaction des sous-titres. En une seule fois, il suffit de cliquer sur publier. Voilà, si je clique sur publier, que c'est les sous-titres que je viens de rédiger sont publiés. Et je peux fermer l'onglet et revenir une autre fois pour continuer ma rédaction. Voilà, la rédaction de mes sous-titres. Voilà, si ça vous prend un peu de temps, voilà, comme vous voyez, si je reviens, je trouve les sous-titres que je viens d'ajouter. Je reviens juste ici pour continuer voilà, ma rédaction. Voilà, une fois que tous les sous-titres vont être rédigés, je vais vous montrer comment les traduire automatiquement cette fois-ci pour la traduction dans plusieurs langues. Voilà, il y aura toutes les langues possibles. Vous pouvez les traduire en plusieurs langues. Comme ça va élargir comment dirais-je, votre audience. Une fois on a terminé avec les sous-titres, on les a ajoutés complètement. Voilà, et manuellement. Voilà, on clique sur publier pour que ça soit publié sur YouTube. Voilà, on a nos sous-titres qui sont publiés en français. Voilà, maintenant on peut vérifier si vous voulez sur YouTube directement. On accède à la vidéo. Voilà, comme ça.
Je pense qu'il y a un symbole qui montre qu'en quoi notre vidéo contient des sous-titres, et pas comme les vidéos qui n'ont pas de sous-titres. Voilà, c'est ce symbole. Voilà, c'est le symbole ici, je pense. C'est ça, sous-titres. Voilà, si je clique sur ce symbole, il y a des sous-titres qui s'affichent, qui vont apparaître. Bon, maintenant, la deuxième partie, ou bien ce qu'on va voir, c'est comment traduire les sous-titres. À part les sous-titres, le titre, la description et les sous-titres, on va tout traduire. Bon, pour cela, soit vous accédez à Google Traduction, ou bien vous accédez à DeepL.com. C'est le traducteur que je préfère. Bon, voilà. Et ici, on va mettre ajouter une langue. Voilà, on va cliquer sur ajouter une langue. À part le français, je suis le plus. Voilà, je choisis l'anglais comme deuxième langue. C'est la langue la plus répandue au monde. C'est pour ça qu'on l'a choisi. On clique sur ajouter des sous-titres, comme vous voyez ici. Et maintenant, dans cette étape, on va mettre traduire automatiquement. Voilà, comme vous voyez, on a tous les sous-titres qu'on a ajouter manuellement qui ont été traduites en anglais. Bon, je clique sur publier. Et maintenant, si on accède à notre vidéo, on va voir qu'il y a des sous-titres en français et en anglais aussi pour les gens qui lisent l'anglais. Voilà, n'oubliez pas d'ajouter vos titres et votre description en anglais aussi, ou bien à la langue que vous souhaitez ajouter. Voilà. Je copiais le titre, c'est pour ça que j'ai ouvert ce DeepL. Bon, je colle ici mon titre et je choisis la langue ici, anglais par exemple. Voilà, ça me donne la traduction. Je copie et je la colle ici. Je fais la même chose pour la description de ma vidéo. Voilà. Comme vous voyez, c'est simple. Et ça va engendrer des résultats par la suite sur votre audience. Ça va augmenter votre audience, bien sûr. Voilà, je fais la même chose pour ajouter une autre langue. Voilà, vous faites ça. Vous pouvez ajouter 5 à 8 langues, à 8 langues, à 9, 10, ça reste votre choix. Il n'y a pas de limitation. Bon, je vais ajouter une autre langue, ce sera l'arabe. Bon, j'ajoute les sous-titres arabes. Ça va traduire automatiquement. Je publie. Voilà, j'ajoute titre et description arabe. Je pense qu'il n'y a pas d'arabe sur ce site DeepL. Voilà, je mets Google Traduction. Voilà, sur Google Traduction, il y a toutes les langues. Par contre, la traduction avec DeepL est mieux que Google. Je mets arabe. Ici, je mets français. Voilà, je copie et je colle. Je fais la même chose avec la description. Voilà, maintenant on revient. Je reviens pour vous montrer sur YouTube comment ça va. Voilà. Puisque la vidéo a plusieurs langues, elle est à plusieurs langues, ça va être référencé, voilà, parmi les premières vidéos lors de la recherche. Et ça va intéresser plus de gens. Voilà, je vous conseille de faire ça pour vos vidéos. Lors de l'accès, voilà. On va voir si je clique ici. Qu'est-ce que ça donne? Je pense que c'est
Voilà les sous-titres. Voilà, comme vous voyez, il y a le français, l'arabe et l'anglais. Je peux mettre anglais, ça me donne les sous-titres en anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre visite et bonne journée. Au revoir.